Voici les partants de la cinquième épreuve. Sur l'hippodrome, vous avez ce qu'on appelle le jeu simple. Il faut trouver un cheval parmi les trois premiers. Et vous avez les combinaisons, le jumelé, deux chevaux, le trio, trois chevaux. Puis bon, pareil, vous avez tout ce qui est quintet, multi, quarté. Au niveau recette, c'est la part la plus importante pour une société de course. Les entrées comptent, les buvettes comptent, mais comparé au jeu, c'est très 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 faible. Alors, l'argent des courses, elle vient, je vous dis, du pari. Donc le pari est pour nous essentiel. Ça génère un chiffre d'affaires considérable qui était l'ordre de la dernière, on va parler en francs, de 45 milliards d'argent. 45 milliards. Et cet argent des courses sert à financer toute la filière cheval, c'est-à-dire les haras nationaux, les chevaux de sport, les poney clubs, etc., etc. Il y a eu une régression des enjeux, hein, tout ça parce qu'on est en concurrence avec la Française des Jeux. Mais bon, maintenant, on arrive à une certaine stagnation des jeux et en plus avec l'euro, ça nous a apporté un petit plus. Je suis propriétaire de chevaux de course, je ne joue jamais, même pas mes chevaux. Je ne veux pas mettre le doigt dans le jeu, parce que si vous commencez à jouer, vous ayez le malheur de gagner au début, après vous risquez d'être pris dans un engrenage qui peut aller très loin. Je fais courir mes chevaux pour la beauté du sport, mais pas pour le jeu. Et voilà parti, avec en troisième position côté corps, Dory Lorner, Jeremy John Dupont est en quatrième position en dehors. On participe vraiment aux courses et je pense qu'on fait partie de la société d'encouragement. C'est-à-dire que sans parieur, il n'y a pas de course, et sans course, il n'y a pas de spectacle, et voilà, et ça disparaît. On a toujours espoir de gagner en tant que parieur, mais on n'y va pas spécialement pour ça. Il ne faut pas venir que pour ça, en tout cas. Si je gagne de l'argent automatiquement, je peux faire ça. J'ai l'argent pour faire saillir les chevaux. Je joue pour accompagner mon cheval et je lui fais confiance. Je l'ai toujours joué. Je vais vous dire que je les aime. Il faut venir aux courses, si vous voulez, c'est pas pour faire fortune, c'est pour prendre du plaisir, voir un spectacle et mettre une pièce pour pimenter un petit peu la sauce. Mais enfin, bon, c'est pas le parieur qui fait fortune en jouant aux courses.